nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs, à chacun d'entre vous. Bienvenue à ceux particulièrement qui viennent pour la première fois dans cette église. Comme dimanche dernier, je vous invite à aller vers une personne que vous ne connaissez pas. Vous dites simplement votre prénom et vous échangez une intention de prière. Vous allez ainsi devenir un frère de prière pour votre voisin. Et toutes ces intentions, nous les présenterons pendant la messe. Allons-y. Pour voir cette chose extraordinaire.
Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter vers ce pays, vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est pour lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. »
À quoi bon le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit : Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, aussi bien pour le topo du Père Gabriel à chaque début de messe, donc sur la messe, que pour les homélies, à ne pas hésiter à prendre des notes parce que on voit bien que les paroles parfois repartent assez vite. Donc je ne serais pas du tout choqué si vous sortez vos smartphones, iPhone ou carnet de notes pour recueillir quelques phrases. Frères et sœurs, donc cela ne vous a pas échappé, nous sommes au milieu du carême, troisième dimanche de carême, et la parole de Dieu est construite autour de ces deux lectures. Première lecture très ancienne, reprise par saint Paul, et puis cet évangile de saint Luc. Et dans cet évangile, nous voyons bien au fond, d'un côté, presque je dirais, le cri de Jésus, qui nous appelle à la conversion, presque un avertissement. Attention, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Il y a donc un appel extrêmement fort, clair, ferme à nous bouger, comme il a invité il y a 20 siècles les disciples à prendre le temps de se convertir. Et en même temps, cette magnifique parabole, image qu'il emprunte à ce qu'il a vu en Palestine, c'est-à-dire le figuier. Dans cet évangile rapporté par saint Luc, il est question d'un figuier un peu sec, même complètement sec, et la question est de le couper parce qu'il ne porte pas de fruits. Et le vigneron répond : S'il te plaît, ce figuier ne porte pas de fruits, donne-lui encore le temps d'en porter. Je me suis demandé finalement si Jésus n'était pas aussi ce vigneron qui s'adresse à nous et qui nous dit : Mais Père, donne-leur encore le temps de progresser, donne-leur encore le temps de se convertir. Il y a trois dimanches, vous vous souvenez, l'exercice était peut-être dans le secret de notre cœur, d'identifier, et c'est très personnel, très intime, d'identifier peut-être nos petits secrets, c'est-à-dire ce que nous exposons au Seigneur, ce que nous sommes invités aussi à exposer en confession, le secret est absolu. En tout cas, nous étions invités à identifier ce qui en nous est encore obscur, noir, taché, ce dont on a un peu honte, et qui pourtant, voilà, doit être présenté, offert pendant ce carême à la miséricorde et à la conversion. Nous étions invités à faire cet effort, et en milieu de carême, nous pourrions nous dire : Bon, finalement, j'ai essayé. Ça a duré une semaine, 10 jours, et puis voilà, finalement, ça ne marche pas. Donc, je retombe. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous dit : S'il vous plaît, reprenez-vous, reprenez courage, comme ce figuier à qui on va donner encore quelques années pour se convertir, et avancez pour donner du fruit en son temps. Nous avons, frères et sœurs, une assurance magnifique, car nous sommes réellement à la fin des temps. La fin des temps par rapport à l'incarnation, c'est-à-dire que nous pouvons nous appuyer fermement sur Jésus. Nous pouvons nous appuyer sur son compagnonnage, sa présence. Ce n'est pas du vent, sinon, frères et sœurs, nous ne serions pas là. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été un jour touchés par Jésus et mis en route. Nous pouvons donc nous appuyer sur lui. Et vous voyez comme cette parole de Dieu aujourd'hui est magnifiquement articulée, puisque dans le livre de l'Exode, il est rappelé que
les Juifs quittant l'Égypte, partis vers une terre magnifique, les Juifs ont avec eux la nuée. Reprenons ce passage, ou reprenez-le cette semaine. Les Juifs ont avec eux cette nuée qui les accompagne, autrement dit Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu leur dit « Maintenant, va !» Et cette parole est avec nous. Les Juifs ont eu la nuée, nous avons Jésus, et donc nous pouvons aller. Alors saint Paul, qui connaît bien la nature humaine, nous dit ceci, nous dit « Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. » Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Certes, nous avons Jésus, nous avons le rocher spirituel, le roc qui est Dieu, Dieu Père, tendre, Fils, Saint-Esprit, communion d'amour, mais nous pouvons tomber. Et si nous avons fait cet exercice de dire simplement nos prénoms et d'échanger une intention de prière, c'est que chacun d'entre nous, nous pouvons tomber. Et en s'échangeant cette intention que je vous invite aussi à porter cette semaine, eh bien nous savons que nous avons quelqu'un qui peut nous aider, un partenaire de prière qui peut nous aider à ne pas tomber cette semaine. Voilà, frères et sœurs, nous entendons cette parole qui nous invite donc à nous convertir fermement, nous convertir parce que c'est notre vocation profonde d'être un jour saint, lumineux, beau, glorieux. C'est notre vocation et c'est donc le moment, en ce carême, en nous appuyant sur l'Église et la grâce, d'entreprendre ce chemin. Et je voudrais terminer, si vous me le permettez, par lire la prière d'un montagnard, lettre prière d'un chanoine du Grand Saint-Bernard en Suisse. Vous avez compris que j'aimais la Suisse. Et qui nous dit ceci, c'est la prière du pèlerin. Et je me disais que nous étions des pèlerins dans ce carême. Je termine. Seigneur Jésus, toi qui as fait un si long déplacement d'auprès du Père pour venir planter ta tente parmi nous, toi qui es né au hasard d'un voyage et qui as couru toutes les routes, celle de l'Église, celle des pèlerinages, celle de la prédication, tire-moi de mon égoïsme, de mon confort, fais de moi un pèlerin. Seigneur Jésus, toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne pour trouver le silence, retrouver le Père, pour enseigner tes apôtres, proclamer les béatitudes, pour offrir ton sacrifice, envoyer tes apôtres et faire un retour au Père, attire-moi vers en haut. Fais de moi un pèlerin de la montagne. À l'exemple de saint Bernard, j'ai à écouter ta parole. J'ai à me laisser ébranler par ton amour, sans cesse tenter de vivre tranquille. Tu me demandes de risquer ma vie, comme Abraham, dans un acte de foi, sans cesse tenter de m'installer. Tu me demandes de marcher en espérance, vers toi le plus haut sommet, dans la gloire du Père. Créé par amour pour aimer, fais, Seigneur, que je marche, que je monte par les sommets vers toi avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création, dans l'audace et l'adoration. Amen. Thank you.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été ensevelu, et descendu aux enfers, le troisième jour. Seigneur, nous te prions.